au maintien de ce système solidaire. Parce que la sécurité sociale, c'est des jours de sensibilisation pour la lutte contre la fraude et les malversations pour avoir les prestations à les avantages de la sécurité sociale. Donc, si une ordonnance répondant à ces critères comportant un médicament ne pouvant être remboursé que dans certaines indications thérapeutiques ou un médicament concerné par des consignes d'application du paradoxe, elle peut être servie en tiers lieu sous réserve de l'accord préalable de la caisse. كايبا رئيس الجمعيات سبينا بفيدا هنا السيد اعتقد لكن اصلا بقايد خدمني كومباني دو سونسيبيليزاسيون سور لا فرود لي كارت شيفا تسمى كارت شيفا يتاج دي تخدم لا كاي لا نوفيل كارت شيفا هذا خدمني ان اكتواليزاسيون لا كارت شيفا اون بلوس نهضروا في لي كومبليكاسيون نهضروا اذا شنو ساعد لي بروبليم نهضروا دام كي لا كارت شيفا يتاج دي تاي اسكو لي دروا الخدمه يعني اتوم صح هذا لي ريبريزونطون لا كناس ريبوندي دي لي كيستيون نو نسقساتن فكاند نفكاد راينا نفكاد ثمولينا نفكاد نوتر بوان دو فيو. Donc, l'association Espérance pour autistes Arbo, nous sommes dans la direction de la CNAS de la wilaya de Béjaïa. Donc, on est partenaire de la CNAS. Et à CNR, c'est une journée de sensibilisation et d'information. Donc, à CNR, il y a une bonne nouvelle qu'on nous a annoncé que en fait, le taux de remboursement qui était de 3 000 dinars, Yulien à 5 000 dinars, ce qui est une bonne nouvelle et pour les assurés. Et donc, en tant qu'association, on a exposé nos problèmes et les intervenants répondaient. Niki est Mansouri, Rachid, président de l'association d'Islamisée. C'est une journée qui concerne exactement la fraude concernant les cartes Chifa. Les gens qui utilisent la carte Chifa à des fins, ainsi que Bzef Lahouaïj. Mais c'est clair que nous revendiquons pas mal de problèmes aujourd'hui. La carte Chifa, c'est 1000 dinars, c'est insuffisant. Nous avons maintenant la loi et la CNAS, la loi des prestations. Les prestations concernant le patient, le malade. Elle date de 1976. Elle n'est plus d'actualité. Le médecin spécialiste et un médecin généraliste a fait la visite parce qu'aujourd'hui, il faut une coordination entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. C'est le seul et unique moyen pour trouver des solutions actuellement et avec des nouvelles lois. Au niveau de la CNAS, je suis le docteur Jaffri, médecin sous-directeur du contrôle médical. La CNAS, comme d'habitude, elle fait sa campagne de sensibilisation envers les citoyens. Aujourd'hui, à travers les différentes associations de malades chroniques, de catégories particulières de malades. Alors, l'objectif de notre campagne, c'est la préservation de ce système de sécurité sociale, qui est une responsabilité d'Aglena, qui mène là, citoyen algérien, il a qu'à protéger ce système de sécurité sociale. Système, s'il nous protège, ça veut dire qu'il va nous protéger tout au long de notre vie. C'est pour ça qu'il y a des associations qui sont proches des malades chroniques. On a constaté un abus dans la consommation de certains médicaments.